Bonjour le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une astuce comment utiliser le miel thym sur une plaie bibon furoncle. Le furoncle est une inflammation de la peau qui peut se révéler très douloureuse. Il peut apparaître sur tout le corps, habituellement au niveau des fesses, furoncle fessier, du dos, du visage, du nez, du cou, des épaules, des aisselles, etc. Il soigne facilement et naturellement avec les ingrédients 100% bio qui se trouvent dans votre cuisine avec le traitement adapté. Le thym frais est une plante méditerranéenne qui l'on trouve à l'état sauvage mais qui se cultive depuis l'Antiquité comme plante aromatique en cuisine. Pour leurs bienfaits pour la santé et pour le traitement de la chute des cheveux. En infusion, il servira de boisson, mais également pour des gargarismes ou cataplasmes. Il fait aussi des inhalations efficaces. Le thym servira de lotion capillaire tonique du cuir chevelu ou de bain revigorant anti-douleur. Le miel de thym est un miel crémeux réputé pour sa saveur unique et son odeur puissante et agréable. Il est également reconnu pour ses bienfaits sur la gorge et pour son pouvoir cicatrisant. Comme j'en ai pas, j'ai fait le mélange d'épices thym avec le miel 100% bio naturel pour soigner ma blessure. Je vous assure, ça m'a beaucoup aidé. J'ai commencé avec le thym et vinaigre de cidre. J'ai mélangé le vinaigre de cidre. Ça aide à désinfecter une petite plaie bibon furoncle, mais comme il est assez agressif, appliqué pur directement et qu'il peut aggraver la réaction inflammatoire. La douleur, il est préférable de le diluer pour moitié dans de l'eau bouillie et refroidie. Ça m'a beaucoup soulagé, je vous conseille d'utiliser ça parce que j'ai essayé chez moi, ça marchait. Le miel était utilisé pour soigner les infections et autres soucis de santé. Depuis, le miel est utilisé dans les soins en médecine traditionnelle et populaire pour sa faculté à cicatriser rapidement et proprement les plaies. Le miel possède une composition intéressante. Sa teneur élevée en sucre lui donne des qualités antimicrobiennes. Le miel empêche également le développement des bactéries. Le miel est aussi un bon anti-inflammatoire. Sa forte concentration en eau permet d'étaler le miel sur toute la surface de la plaie, ce qui permet au tissu de cicatriser de façon optimale. L'eau contenue dans le miel rentre alors dans la plaie et permet de ralentir sa déshydratation. Il est très facile de cicatriser sa blessure à la maison. Fournissez-vous de pansements que vous pouvez trouver en pharmacie. Nettoyez votre plaie avec de l'eau ou avec un produit médical type sérum de thym bio ou gel antiseptique. Ensuite, déposez une fine couche sur la totalité de la blessure en recouvrant uniformément le tout. Recouvrez la plaie avec un pansement ou avec une compresse sèche. Renouvelez ce pansement toutes les 24 heures environ, tant que la plaie saigne encore. Ensuite, changez-le toutes les 48 heures jusqu'à ce qu'elle cicatrise. N'hésitez pas à vous abonner. Merci, bye!